بعد أوجب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفادي لمولك الخاتم لما الناس اللي أخي والحادي لأسراتي المستقيم <applause> ولا عليها قدر ومدار لازم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورب شرعي السدر واسر الوهل من لسان وافخ قولين مفرس سالي توس الحمد لله من وجرش في الله parmi les plus grands secrets سيكريو les gens Il y en a qui sont tout le temps malades et ça ne finit pas. Oui, certaines personnes elles peuvent être malades, ils partent voir les médecins, les docteurs, ils voient qu'ils n'ont rien, mais avec tout ça, ils sont tout le temps malades. Ou bien, est-ce que ce soit de l'envoûtement, voilà, euh, que ce soit n'importe quelle chose. Inch'Allah, si vous faites ça, Dieu va vous donner la solution et puis c'est très rapide pour les maladies qui sont inconnues qu'on ne connaît même pas la solution sur cette maladie là les médecins même peuvent te dire que y ouais, as tel genre de maladie mais nous on connaît pas la solution Cette <laughs> solution se trouve chez Allah mais il faut croire à Dieu donc Alhamdulillah Rabbil Alamin toute personne qui veut le faire guérison tout simplement vous allez écrire sur Ardoise en bois. Vous allez écrire Business on la. La Khadirun. La khadirun. Vous allez écrire ça 111 fois. Si vous écrivez ça 111 fois, vous allez écrire Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi. Vous allez écrire ça 1111 fois. Donc, si vous écrivez les dés là, vous allez mélanger les dés là et l'obtenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Vous allez tout simplement business Vous allez simplement chercher un arbre surnommé Ngunja. Si vous ne pouvez pas avoir l'arbre surnommé ungunja, vous allez chercher l'arbre surnommé tamare ça soit entre les dés laquelle vous allez trouver mais si vous trouvez les dés vous n'allez pas mélanger les dés il faut pas mélanger les dés donc maintenant si vous trouvez un gundjian ou bien tommy vous allez mettre ça sur un marmite vous allez faire bien bouillir quand c'est bouilli maintenant vous allez ajouter cette eau bénie là quand vous finissez de bouillir si vous ajoutez cette eau bénie là vous allez vous laver avec pendant neuf nuits ou bien la journée. Vous buvez un peu. Inch'Allah, Dieu va vous aider à vous débarrasser.